Bonsoir. Bienvenue à l'Opéra National de Paris, à l'Opéra Bastille. Vous voyez, vous entendez l'orchestre, vous l'entendez peut-être, en train de s'accorder. Dans quelques instants, dans quelques minutes, Faisal Kerraoui, le chef d'orchestre, viendra. Les danseurs sont prêts derrière le rideau. Alors comme vous le voyez, progressivement, la grande salle, ce grand vaisseau de l'Opéra Bastille se remplit. Le public aime ce ballet. C'est un ballet presque mythique. C'est le dernier ballet que nous a confié Rudolf Nureyev. Il avait démarré sa propre carrière il y a des dizaines d'années par la Bayadère. Ça a été le dernier ballet qu'il a créé pour l'Opéra de Paris, pour son ballet. Alors c'est effectivement un ballet absolument incroyable, à la fois très riche de couleurs, les costumes, les décors de Frigerio sont absolument superbes. Et en même temps, il y a cette difficulté technique sublimée, il y a ces amours contrariés entre la Bayadère, Nikia, interprétée par Aurélie Dupont, et aussi la méchante mais si séduisante Gemzati, la fille du Raja. Trahison, bataille pour l'amour, et puis hélas, mort de Nikia, tuée par Gemzati et par le père de Gemzati. Mais je vous dis la fin tout de suite. Amour sublimé, puisque finalement Solor, Josua Offalt, retrouvera sa Bayadère après la lente procession de toutes les Bayadères devenues fantômes, sublimées par l'amour. Et à partir de là, ils danseront, ils s'aimeront et leur amour sera éternel. Je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, afin d'assurer le bon déroulement de cette représentation, nous vous prions de bien vouloir désactiver vos téléphones portables et vous rappelons qu'il est strictement interdit de filmer et de prendre des photographies. Ladies and gentlemen, so as not to disturb the performance, we kindly ask you to switch off all mobile phones and remind you that it is strictly forbidden to film or take photographs. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.